Le Sibérien Husky, un chien de traîneau compact, de taille moyenne, originaire de Sibérie orientale, en Russie, où il est traditionnellement élevé comme chien d'attelage. Il a été développé pour travailler en meute, tirant des charges légères à des vitesses modérées sur de vastes étendues gelées. Les cibles sont amicaux, exigeants et dignes. Les yeux en forme d'amande du gracieux husky de Sibérie de taille moyenne peuvent être bruns ou bleus et parfois un de chaque et donner une expression vive mais aimable et même espiègle. Rapides et agiles, les Sibériens sont connus pour leur démarche puissante mais apparemment sans effort. Ne pesant pas plus de 27 kg, ils sont nettement plus petits et plus légers que leur cousin costaud, le Malamute d'Alaska. En tant que chiens de meute nés, ils apprécient la vie de famille et s'entendent bien avec les autres chiens. La gentillesse innée des cibles en fait des chiens de garde indifférents. Ce sont des chiens énergiques qui peuvent ne résister pas à la chasse aux petits animaux, donc un coin des coureurs sécurisé est indispensable. Une caractéristique attrayante de la race, cibles sont naturellement propres, avec peu d'odeur de chien. Le corps compact du chien de Sibérie, son pelage bien fourni, ses oreilles dressées et sa queue épaisse en forme de faucille suggèrent immédiatement l'héritage nordique de la race. Les ancêtres de la race ont été élevés à l'origine dans le nord-est de l'Asie par le peuple Chukchi et ont été gardés comme chiens de compagnie pour leur famille ainsi que comme chiens de traîneau d'endurance. Lorsque les conditions climatiques changeantes ont forcé les Chukchi semi-nomades à étendre leur terrain de chasse ou à périr, ils ont relevé le défi en développant un chien de traîneau capable de transporter des charges légères sur de vastes étendues de friches gelées à des températures inférieures à zéro, avec une dépense minimale de énergie. Les Chukchi, isolés du reste du monde, ont su maintenir la pureté de leurs équipes de traîneau pendant de nombreuses générations. Les chiens qui l'ont développé étaient les précurseurs directs du husky sibérien d'aujourd'hui. Le husky de Sibérie est décrit dans le standard FCI comme d'un tempérament gentil et doux, éveillé et sociable, mais c'est un chien actif qui aime l'aventure. Il peut donc être amené à fuguer ou détruire comme tout chien dont les besoins ne sont pas respectés. Il n'est pas possessif et ne fait pas preuve de méfiance envers les étrangers ou les autres chiens. C'est un chien qui aime beaucoup les enfants. Étant donné sa force brute et son énergie plus qu'abondante, il est toutefois souvent évité dans les milieux familiaux, malgré cet amour insatiable pour les enfants et le jeu. Les huskies muent deux fois par an, ils changent complètement de fourrure, ce qui peut durer 3 semaines ou plus. Le reste du temps, les huskies perdent relativement peu de poils. L'incidence de la dysplasie de la hanche est relativement faible. Toutefois, les chiens destinés à la reproduction devraient, entre autres, faire l'objet d'une certification de la Fondation orthopédique animale avant l'accouplement. Cette certification ne peut être obtenue avant l'âge de 2 ans. Les efforts soutenus des éleveurs ont permis de maintenir l'incidence de ce problème à un faible niveau. Cette race de chien est sujette aux piodermites, des infections bactériennes de la peau. Une piodermite est susceptible d'apparaître à la suite d'une irritation, une allergie ou une piqûre d'insectes. Il s'agit de petits boutons de pus parfois sous forme de taches accompagnées de croûtes.
Le husky est un chien de traîneau sélectionné pour parcourir des distances importantes à une vitesse modérée, par grand froid. Son caractère confiant en fait un piètre chien de garde. L'éducation du husky sibérien doit commencer avant qu'il n'atteigne l'âge de 6 mois parce que cette race devient très rapidement adulte. C'est lui qui décide si ses maîtres sont dignes de lui ou pas. D'où l'intérêt de le traiter avec respect, affection et cohérence dès le départ. Faute de quoi, il sera difficile à contrôler et aura même tendance à fuguer. L'éducation du husky de Sibérie passe donc forcément par la patience et le calme, sans pour autant devoir céder à tous les caprices du chien. Le husky sibérien peut s'adapter à la plupart des modes de vie à condition de lui donner fréquemment la possibilité de se dépenser. S'il reste trop longtemps enfermé, il risque de s'ennuyer et de développer un comportement destructeur. En raison de leur pelage épais adapté au froid, il est important de les maintenir à l'abri de trop fortes chaleurs. Il a besoin d'un brossage hebdomadaire, mais le toilettage est formellement interdit. Seuls les poils qui poussent entre les doigts ou couvrent les pieds peuvent être égalisés. Ce qui est également valable pour la moustache. Brosser régulièrement les dents du chien permet d'éliminer l'accumulation de tartre et la prolifération de bactéries. Ses oreilles et ses yeux sont aussi à vérifier fréquemment pour s'assurer qu'il n'y ait aucune trace de saleté ou d'une éventuelle infection. Le régime alimentaire du husky doit être riche en protéines et en lipides pour répondre à ses besoins énergétiques assez importants. Constamment en mouvement, il a besoin d'une alimentation adaptée à son mode de vie. Des croquettes de haute qualité font la plupart du temps l'affaire. Il est conseillé de se rapprocher d'un vétérinaire pour adapter cette alimentation. Posséder un chien n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Ils dépendent de nous pour, au minimum, se nourrir et se loger, et méritent bien plus. Lorsque vous emmenez un chien dans votre vie, vous devez comprendre l'engagement qu'implique la possession d'un chien. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.